Bonjour, la vidéo du jour va être un petit peu différente de ce que je vous propose habituellement, puisqu'il s'agit d'une relaxation que vous allez pouvoir faire en marchant, en particulier lorsque vous sortez pour votre heure quotidienne. Je vais vous proposer de faire cet exercice lorsque vous sortez, lorsque vous êtes à l'extérieur. Et on va profiter de la position debout et de la marche pour retrouver à la fois de la détente et du bien-être. Bien évidemment, cet exercice se fait les yeux ouverts, mais vous allez marcher en suivant mes indications et en essayant de percevoir les différentes sensations. Pour commencer, je vais vous proposer de sentir que même quand vous êtes debout, vous pouvez relâcher votre visage et en particulier desserrer vos dents. Lorsque vous marchez, lorsque vous êtes debout, vous pouvez aussi libérer vos épaules. Voilà, laissez vos épaules retrouver de la souplesse et peut-être même cette sensation que les épaules sont comme attirées vers le bas, comme si elles étaient plus lourdes. Et vous pouvez sentir que vos épaules sont plus lourdes parce que vous sentez également vos bras se balancer légèrement de chaque côté de votre corps lorsque vous marchez. Et pendant quelques pas, essayez de sentir à la fois le balancement de vos bras, mais aussi la détente de vos épaules et de vos bras. Peut-être même pouvez-vous les secouer légèrement pour sentir que cette vibration, cette détente peut descendre jusqu'à vos mains. Et vous pouvez même délier jusqu'au bout de vos doigts. Tout en continuant à marcher, relâchez votre ventre pour sentir que votre respiration peut à nouveau devenir plus fluide. Votre ventre est souple et à présent vous respirez tout à fait en conscience. Lorsqu'on est à l'extérieur, on peut encore mieux apprécier la température de l'air. Et je vous invite à sentir que lorsque vous inspirez, l'air est légèrement frais. Vous inspirez de la fraîcheur. Et je vous invite à réaliser que lorsque vous expirez, que vous expiriez par votre nez ou par votre bouche, ça n'a pas d'importance, et bien lorsque vous expirez, l'air est plus tiède, il est un peu plus chaud. En marchant de la même manière, souplement, en ressentant le balancement de vos bras, sentez que vous inspirez quelque chose de frais et vous expirez quelque chose de tiède ou de chaud. Vous inspirez du frais. Vous expirez du tiède. Votre visage est détendu. Vos épaules sont relâchées. Vos bras sont souples. Votre ventre est décontracté. Et maintenant, vous pouvez prêter attention à vos pas sur le sol. Et tout en marchant, vous allez sentir l'impact de vos pieds sur le sol. Que vous marchiez sur le trottoir, sur du gravier, sur de la pelouse, peu importe, sentez que votre talon frappe contre le sol. Votre pied se déroule et puis votre autre jambe se soulève pour passer devant et votre autre pied vient frapper lui aussi le sol. Et pendant quelques pas, pendant quelques mètres, vous allez uniquement suivre cet impact, cette pression de vos pieds sur le sol. Vous allez sentir que c'est un pied après l'autre. Et qu'en même temps que votre pied touche le sol, eh bien le poids de votre corps
va être vraiment posée sur le sol. Et je vous invite à ressentir maintenant les appuis de votre corps. Tantôt vous êtes appuyé sur le pied droit, tantôt sur le pied gauche, à nouveau sur le pied droit et puis sur le pied gauche. Vos pieds se déroulent souplement. Vous pouvez marcher d'une manière ample en étant uniquement attentif à vos pas, au contact avec le sol, à la répartition du poids de votre corps. Vous êtes dans la marche, mais c'est une marche qui est tout à fait consciente. Vous marchez en conscience. Pas après pas, vous vous déplacez toujours en respirant d'une manière ample, fluide, régulière. Et puis sur quelques pas, je vais vous proposer maintenant de synchroniser votre respiration avec le rythme de votre marche. Vous allez d'abord le faire très simplement. Vous allez inspirer sur trois pas, puis expirer alors que vous faites trois pas. Donc c'est vraiment très simple. Vous inspirez et vous marchez trois pas. 1, 2, 3. Vous expirez en marchant les trois pas suivants. 1, 2, 3. À votre rythme, allez-y, inspirez, 1, 2, 3, expirez, 1, 2, 3. Faites-le encore sur quelques pas, toujours dans cette régularité de l'inspiration et de l'expiration, longue, tranquille. À ce rythme régulier, je vais vous proposer d'ajouter une intention, une idée. Lorsque vous expirez, imaginez que vous envoyez votre souffle dans le sol. Lorsque vous inspirez, vous prenez de l'air frais, toujours de l'air tout frais, tout neuf. Et lorsque vous expirez, imaginez que vous envoyez vers le sol votre expiration, votre souffle, comme si vous vouliez vraiment le faire rentrer dans le sol. À l'inverse, lorsque vous inspirez, c'est un air frais rempli d'oxygène qui entre par votre nez. Mais lorsque vous soufflez, vous évacuez, vous envoyez vers le sol. Et vous pouvez tout à fait imaginer que vous envoyez vers le sol ce qui vous pèse, ce qui vous déborde, ce qui sature, les pensées, les tensions, envoyez vers le sol, soufflez, évacuez, laissez aller. Voilà, faites-le à chaque fois que vous expirez sur trois pas. Vous soufflez, vous soufflez, vous soufflez, vous évacuez. Lorsque vous inspirez, vous reprenez toujours un air tout frais, un air tout neuf. Et lorsque vous expirez, vous envoyez vers le sol, vous laissez tomber, vous laissez partir, vous laissez glisser. Et vous allez poursuivre à votre rythme, tout au long de votre balade, en fonction du temps que vous avez, avec l'idée que lorsque vous expirez, vous évacuez, vous laissez aller. Et lorsque vous inspirez, vous reprenez l'air frais, l'air neuf dont vous avez besoin. Faites-le à votre rythme.